Wow. Merci beaucoup. En plus, je ne m'y attendais pas. Vous savez, j'ai plaisir d'être là. Il y a même des garçons. Pas ça. Non, sincèrement, je suis très heureux d'être là, vraiment. Waouh, ça fait plaisir. Je suis l'humoriste le plus heureux, d'autant plus qu'il y a quelques heures passées, j'ai reçu un appel où on m'a dit que je vais être papa. Donc voilà. Voilà, je vais être papa dans un film, c'est un rôle que j'ai imaginé. Venir à Paris, c'est énorme, c'est quelque chose qui me fait plaisir parce que ma copine est française, je l'ai rencontrée ici. C'est une Canadienne d'ici, donc tu vois. La première fois que je la rencontre dans un kebab, elle était là avec ses potes. Oui, bien sûr, je mange du kebab, mais c'est normal. Elle était là avec ses potes en train de parler en anglais, tu vois. Ah oui, yo, what's up? Tu vois, moi je suis congolais, je sais pas vraiment trop ce qui se passe, je suis trop lingalophone. Tu me demandes comment je fais pour lui parler en anglais, tu vois. Donc je m'approche d'elle et je lui dis, baby. Elle est blédard. En plus, tu es arrivé sur invitation, bro. Calme-toi. Donc, tu vois, je m'approche de la fille, je lui dis, baby, I love you. I love you too. Voilà, I love you. I want to be with you. Ça veut dire que je vais être avec toi. I want to see you tomorrow. Ça veut dire que je vais te voir demain. When? Ça veut dire quand? La fille me regarde, genre, elle me dit, never. Never, ça veut dire jamais. Moi, je comprends tellement mal son anglais, je lui dis, hey baby, never I sleeping. Never, juste ou 9h30. Ça fait plaisir. Et aussi, quand j'arrive à Paris, ce qui m'étique un peu, c'est ce choc de culture et comment les rapports qu'il y a entre parents et enfants, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre, tu vois. Il y a beaucoup de facilité de voir un enfant de la maman, mais maman, sous la vie de ma mère, t'es un ouf. Sous la vie de ma mère, t'es un ouf, toi. Moi, une fois, j'ai dit ça à ma mère, deux jours après, c'est le communiqué écologique. Hein. Direct. Et puis, il y a un ami à moi français, et au fait, je le vois le matin en train de disputer avec son enfant. Tu vois, genre, Jean-Marc, pourquoi t'as pas fait tes devoirs? Viens ici. L'enfant, il a peur. Il dit, papa, si je viens, tu vas me frapper. Il dit, Marc, tu viens. L'enfant dit, papa, si je viens, tu vas me frapper. Et là, son père essaie de le taper juste un peu. Il dit, Marc, si tu viens, je t'amène à Disney. Et l'enfant dit, mon papa. Un enfant congolais. Quand tu l'appelles, il connaît tes intentions. Ndoma, viens ici. L'enfant te dit, sonayo beta. Tu lui dis, Ndoma, je ne veux pas te frapper, je suis ton père, viens ici. L'enfant te dit, Nabi, bah j'ai nos biens. Et là, la petite Frédérique Moulez qui ne tient pas, tu lui dis, Doma, si tu viens, je vais t'acheter une sucette. L'enfant te dit, yo m'en fous depuis ton mois. Sincèrement, on est vraiment différents. Et on est tellement différents au point où je me dis, il y a certaines réalités qui se passent ici en Europe qu'on n'aura jamais chez nous au Congo. Tu vois? Ici, c'est facile de voir un enfant se réveiller à 2h du matin et dire à sa maman, maman, réveille-toi. J'ai fait un rêve. J'étais avec Peter Pompey des Nerveux. Et on s'envolait. 2 heures. Et là, sa maman, hein. Voilà, elle est là, genre. Ouh, mon loulou. Tu as vu le capitaine Crochet? La fée Clochette? Monsieur Mousse, ça passe normal. 2 heures. Ramenons la même situation ici au Congo. Vous trouvez ça normal qu'un enfant de la commune de Kalam comme moi réveille sa maman à 2h du matin tout pour lui dire maman, la bande à l'autre. Maman, je sais qu'il y a beaucoup de Congolais ici. Voilà, raconter beaucoup de choses parce que vous avez beaucoup de choses que vous avez oubliées. Est-ce qu'il y a par applaudissement des gens qui connaissent le pasteur Moïse Millet? Bismillah.
J'adore. J'adore le pasteur Moïse Mbiyé. On fait ce que j'aime bien chez lui. Je ne sais pas que tu regardes la pornographie. Non, j'aime bien le pasteur Moïse. Il y a trop de chrétiens ici. Non, j'aime beaucoup le pasteur Moïse Mbiyé. En fait, ce que je comprends pas chez le pasteur Moïse Mbiyé, quand il prêche, par sa façon de marcher, t'as comme l'impression qu'il ne veut pas te parler à l'église. T'as jamais remarqué ça? Oui, oui. Quand il prêche, ça donne ça. Et tu sais quand il prêche, c'est comme s'il te draguait en fait. Tu sais, de ce moment où tu penses que les gens sont morts. De ce moment où tu dis à quelqu'un je t'aime, mais la personne ne ressent pas cet amour. C'est parce que tu es ici, mesdames, messieurs, je te dis que tu es béni. Oh my God. Mesdames, messieurs, on va envoyer un tout petit peu d'amour sur ceux qui nous suivent en ce moment sur Facebook, Instagram. Alors je vais vous demander d'allumer vos torches. Okay? On va envoyer de l'amour à Kinshasa, à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Allumez vos torches, s'il vous plaît. On va immortaliser ce moment. On a encore 2 heures de spectacle magnifique. Waouh!